On a eu un début de match compliqué, hein. Je veux dire, même si on aurait pu égaliser très vite, mais on aurait pu aussi prendre un deuxième. Heureusement que devant, ils ont été maladroits. Et puis après, par contre, on a fait une bien meilleure deuxième mi-temps. On égalise très logiquement. Puis dans les prolongations, non seulement on est à 2-1, on peut aussi marquer un troisième but. Donc oui, c'est une qualification méritée sur la deuxième mi-temps et sur les prolongations. Donc vraiment, je suis très fier de ce qu'ils ont montré là. Donc ça veut dire aussi que quand ils ont envie d'élever leur niveau de jeu, quand ils sont motivés, ils sont capables de réaliser de grandes choses. On est très contents ce soir parce qu'on a venu chercher quelque chose. On a cru en nous, donc ça a fini par payer. Donc on est tous contents ce soir et j'espère que ça va continuer. En première mi-temps, c'est vrai qu'ils nous ont fait tourner. Hein. Ils étaient dans la conservation, ils étaient très bons avec... Avec des joueurs comme Grenier et tout ça, et c'est vrai que quand il est sorti, on a vu un peu le changement de l'équipe. Donc après on a eu un peu plus la main mise sur le ballon. Et après on s'est procuré des occasions avec la vitesse des entrants. On travaille beaucoup là-dessus, sur la maîtrise, sur la disponibilité, la capacité qu'on a aussi à tenir ce ballon, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir gérer les temps forts, gérer les temps faibles. Et c'est vrai que j'ai aimé. La qualité de jeu qu'on a proposé ce soir, et on a fait courir ces Lyonnais, on les a fatigués, ce qui fait qu'ils ont été moins lucides et moins précis donc offensivement. Et c'est bien, voilà, il y a le travail. Alors c'est forcément le résultat donc sur un match, et ce que j'aimerais voir maintenant, c'est la capacité à résister ce genre de match, ce genre de prestations, et puis à la clé surtout du réalisme, avoir l'efficacité qu'il faut. Donc c'est bien. Voilà, moi je suis super content, et forcément de la qualification, de la façon dont on a joué. On est resté concentré sur le jeu et non pas ce qu'on avait montré comme image à 3. Donc voilà, quand on joue et on a envie donc de jouer, voilà, on est capable de faire de bonnes choses. Maintenant, on est bien d'accord, c'est la Coupe de France. On met ça de côté, on savoure aujourd'hui, puis dès demain, après il n'y a qu'une chose qui va m'intéresser, c'est comment on va travailler pour arriver au top lundi pour la réception du Havre à domicile. On peut parler d'exploit parce que quand on voit la qualité de cette équipe, ce qu'ils produisent en Ligue 1 et en Europa League, on peut dire que c'est un exploit. Donc c'est vrai qu'on est allé au bout. On a fini avec des crampes, avec des bobos, mais bon, on a fait preuve de caractère, on n'a rien lâché jusqu'au bout, notamment les 10 dernières minutes des prolongations où on a joué à 10. Ils avaient été bons ce soir, mais nous aussi on a répondu présent, on a eu quelques bonnes opportunités, surtout en première mi-temps aussi. Donc on les a bougés dans certains domaines et puis ça a fini par payer. C'est clair qu'on n'est pas épargné par le tirage, donc si on va au bout, c'est vraiment qu'on aura mérité parce que... Après Bastia et Lyon, voilà, c'est Monaco qui se profile, mais bon, voilà, on ira sans complexe, tout à gagner, et pourquoi pas. Un peu comme ce soir où bon, voilà, on avait tout à gagner, on se l'est dit. Et bon, au final, c'est assez bien pour la confiance, parce que c'est vrai qu'on était sur deux résultats très moyens, et bon, après on sait que voilà, le plus important, ça reste quand même le championnat, mais une épopée en coupe, ça peut être très intéressant.